Allez, on a l'air d'être Qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fait là Alors, juste, oui, bon, c'est pas mon bon pseudo. Ça n'est pas le bon pseudo. Ou alors, on est vachement blanchi par rapport à celle de Ming. Non, mais t'étais encore Ming là. C'était Ming. Bon, il fait 1-7, t'as capté. Je suis juste il passait en spectateur. Je suis pas là très longtemps. Ouais, ouais, y a pas de soucis. T'es pas prévu. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, mais je fais qu'un seul set de toute façon parce qu'au vu des cernes que je me tape. Oui, il est fatigué, c'est terrible. C'est vraiment histoire de commenter un petit peu. Plutôt mes call. C'est monstrueux. C'est maintenant, on y va Maxi. Pour un set, profites-en. Franchement, ça va être incroyable. C'est du loser, C'est du loser. Plutôt que c'était fait upset par Mystery. Par Mystery, c'était incroyable. Monsieur E, s'il te plaît. Monsieur Donc, c'est parti. Mescol qui vient d'oblitérer Link 91 ici. Donc là maintenant, c'est reparti pour un adversaire d'une trempe un petit peu différente. Gluttony qui est dans sa loser run, tranquillou. Donc, écoute, franchement, début du match, les pourcentages qui fusent côté Gluttony 80. C'est toujours un peu compliqué quand t'as un perso aussi, on va dire, gros en termes de hitbox qu'un perso que joue Mescol. Donc forcément, on va s'en vendre un petit peu maintenant. C'est toujours pareil, c'est un Ridley, c'est un personnage assez lourd et qui a des coups absolument monstrueux. Donc c'est sûr au début tu vas mettre quelques petits coups avec un personnage comme Wario, mais ensuite un smash est si vite arrivé et on connaît les scrolls sur ce genre de choses. Tout à fait, évidemment. Et en plus regarde là, il rattrape bien, c'était d'abord la phase de Gluto et derrière bah, tranquillement il reprend là. Qu'est-ce que c'était que ce Biffy, ça ne l'a pas tué encore, c'est un peu lourd quand même. Le Bakir qui manque de puissance. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose en ledge trap ici? On est très patient. Ah, il le sait, mais ce qu'il le sait? Il attend, regarde ce Upper Cap, il était trop patient! Et la patience, est-ce que ça va vraiment être du scam maintenant? 119%, 115%, on ressort un petit peu du côté de Pluto, on essaie de trouver. Une ouverture pour aller chercher Mescol, mais le side B pas suffisant, ça reste bien lourd quand même. Wario, on va revenir tranquillement avec la moto qui va taper Mescol. Il revient pas. On est pas un peu bas? Il revient pas. Non, bah, on revient pas. L'angle était vraiment beaucoup trop horizontal et il revient pas. Mais c'est pas grave, cran entier ROF Smash. Au final, qu'est-ce que ce serait un match de Mescol sans Smash de Mescol? Non, mais ce n'est pas un match. Ce n'est pas un match de Mescol. C'est un imposteur. C'est un Ridley que l'on ne connaît pas. C'est un nouveau. C'est un nouveau. Juste avec des dash attaques. On les connaît les Ridley qui font ça. En tout cas, beaucoup d'antières qui sont proposés de la part de Mescol, tu vois qu'il utilise beaucoup son fer, il connaît les petits coups de Pluto à vouloir mettre ses nerfs pour commencer les combos starters. Donc on essaie de jouer un petit peu avec cette épine de cette queue de la part de ce Ridley. Mais bon, ça reste difficile de trouver son mot à dire sur ce terrain. Et on va se faire claquer sur ce B. Est-ce qu'on peut réellement revenir? Ça sera le cas, mais 104% récupéré sur cette phase. Ouais. Assez violent de la part de Gluttony. En plus, tu vois que l'IOT là, il y a le WAF, donc bon, il va pas l'utiliser sur cette stock là, je pense. Par contre, la suivante, donc voilà, tout dépend de comment se déroule la game. Mais là, c'est vrai que là pour l'instant, c'est un sans faute sur cette deuxième stock de Gluttony qui continue à trouver bonnes interactions. Sauf ici, sur cette petite, peut-être quelque chose pour Mescol. Non, rien du tout. Là, vraiment, comment il peut tuer? Je sais pas, c'est un Smash qui a shift sa hardbox totalement incroyable. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? En plus tu les connais ces Smash, hein. ça peut tellement être violent, tu peux tellement pas t'y attendre parce que ça peut frotter. La claque, toujours cette claque qui est toujours excellemment bien tamée, hein, de la part de Gluttony, toujours. Ça en fait deux. Et deux fois que Mescol se prend une violente gifle et qui se fait un petit peu sortir à 104%. Et ce waft, tu l'as si bien rappelé, qui est maintenant présent du côté de Gluttony, mais c'est un autre up smash de Ridley qui viendra sécuriser cette deuxième stock. On revient une stock partout. Deux stocks, deux up smash. Tout est bon, c'est monsieur classique. Le juge, on valide. Classique de la part de Mescol. Non, mais vraiment, l'entière là-dessus, c'est vrai que Wario est un personnage très aérien. Quand tu l'entières avec des gros kill moves comme ça, il aime pas trop. Regarde-moi ce neutral. Non, mais ils le savent. De toute façon, Mescol le sait. Il y en a un qui met un combo, c'est fini. Il y en a un autre qui touche, c'est fini. Pas forcément pour Mescol. Mais c'est vrai que là, c'est le moment où vraiment il faut attendre pour son tête. Donc ça y est, un petit peu de corps à corps. C'est Mescol qui trouvera cette down throw. On peut peut-être continuer quelque chose. Vraiment le truc, c'est vraiment, on sait, hein, Gluto, il cherche son combo starter, on est déjà 80%, c'est compliqué là, hein. C'est faire de la part de Mescol, toujours pour bien sur haut, mais non, mais on reviendra. Okay. C'est un peu dommage de l'avoir pris du mauvais côté, mais bon, ça remet quasiment les pourcentages à even d'ailleurs, ce waft. Ouais. Et le neutral est bien sécurisé de la part de Gluto qui va même se permettre de repartir en phase d'avantage, mais qui se fait repousser. Décidément, les antillères de Mesos sont à chaque fois pixel. Il ne laisse absolument pas Gluttony se rapprocher. Mais on trouve toujours pas de situation pour terminer cette stock. Peut-être sur cette phase d'avantage. Peut-être, effectivement, avec un petit backer là. On a l'edge trap. Là, c'est Gluttony veut gagner. C'est maintenant. Faut pas le laisser revenir. Ok, non, il va aller vraiment tranquillement de l'edge trap. On connaît, c'est un joueur qui commit assez peu. Cependant, les paris. Il y a un zéro.
Il y a 1-0. On est en loser. On est en loser. On n'est pas en top 8. On n'est pas en top 8. On est en BO3. On est en BO3. C'est pas fini. Non mais d'ailleurs, après c'est toujours quand, c'est quand il est au pied du mur qui fait un truc de fou. Mais ah, je dis rien, je dis rien, j'ai pas envie. Non non, je me commit pas. 3 stocks. 3 stocks. 3 smash. 3 stocks, 3 smash, c'est reparti. Un peu embêté quand même par ces entiers nombreux de la part de Mescal. En même temps, quand t'as un personnage comme Wario qui a besoin de pouvoir un petit peu trade ses combos avec son air, c'est vrai qu'ils sont vraiment bienvenus. C'est. Ouais, up tilt, up smash, très grande range. C'est vrai que Ridley c'est un heavy avec une très grosse range. Donc au final, un personnage qui est vraiment son plus gros point faible de Wario, à mon sens, c'est vraiment le manque de portée. Ouais. Donc oui, un Mescal il s'en sert très très bien. En plus, il a déjà pris saut là, attends. Il a pris saut là. Mais c'est. Ok. On a vu le smash, ça aurait pu être désastreux. Quelques nerfs qui vont venir quand même trade pour Gluto afin de repousser Mescal. Mais ce dernier, une nouvelle fois, qui touche son fer. Ils sont vraiment pixels, hein, tous ces fers de la part de Mescal. Bien sûr. Bah franchement, il s'en sert. Hein, il s'en sert. Par contre, ah, ok. Je crois que c'est l'une des rares fois que j'ai vu un jab de Gluto. Hein. Vraiment, c'est si rare qu'il utilise ce move. Écoute, c'était intéressant. Je me suis dit qu'il avait un jab quelque part. Ah, en tout cas, ce side B qui va mettre de gros pourcents. Et Mescal, là, qui a déjà mis des pourcents. Bien trop rouge. Quoi, c'est un FD qui prend. Non, Mescal. Mais est-ce que peut-être Mescal. Non, c'est pas vous. Non. Il est bien parti pour l'instant. Il est bien parti. Non mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Il nous a déjà renversé des situations absolument folles. Mais Mescal qui ne lâche pas. Du tout Gluttony qui le remet dans une position très compliquée. 68%, on a toujours un saut, on a toujours cette moto, mais on veut le chercher tellement bas. Mescal il veut mettre la pression. Il veut surtout pas laisser à Gluttony la joie de trouver son jeu. À 84% contre 68%, la dash attack. C'est un Gluttony qui veut finir cette stock rapidement, parce que sinon ça reste un Ridley qui, voilà, qui va pouvoir reset et se replacer tout en faisant monter les pourcentages de manière violente. Oh non, c'est vraiment violent. Voilà, on va enfin pas se prendre ces deux smash, c'est bien esquivé. L'artillerie Mescal stoppé pour une fois. Maintenant faut continuer. Oh, pour une fois mais pas deux. Comment il est sorti, je sais pas. Attends, Mescal, c'est ton moment. Attends, je le jure, il peut le faire. Je le jure, il peut le faire. Ouais, mais qui va essayer de terminer là-dessus. Oh, le up B qui aura touché de l'autre côté, donc on va pas pouvoir sortir Mescal de là. Le bouclier est bien tenu, mais un petit grab pour repousser le joueur de Ridley de l'autre côté du terrain. On essaie de balancer la moto pour toucher sur le tout frame, mais ça ne passera pas. Et une nouvelle fois, Mescal qui reset. Il y a le saut, il va pouvoir se replacer, mais 160%, c'est énorme en termes de pourcentage. C'est vraiment énorme. Après, faut qu'il trouve le kill. Et Mescal, il survit très longtemps. Il a mis gratter déjà tellement de choses. On a encore du up tilt. Non, attends, voilà. Ok, le back air, c'est bon, c'est fait. Il y a le waft. Il y a le waft, ok. Il y a toujours le waft. Si Gluto le fait, c'est maintenant. Mais vraiment, Mescal va passer les éverts. Encore un pair, c'est peut-être fait. Peut-être qu'on est en train de vivre l'histoire là. Ok, non, ok. Ouais. Ok, c'est bon, on va bien essayer de ça. On a encore perdu le sèche contrôle là-dessus. Le contrôle qui est perdu, on essaie de chercher le pair pour Mescal qui aura tenté de mettre énormément de dégâts avec ce up B, mais c'est pas suffisant pour inquiéter pour le moment le numéro 1 européen. Mais on le repousse une nouvelle fois, 116% pour Gluttony qui commence à monter dangereusement en termes de pourcentage avec un trade back air. Repoussant Gluto de l'autre côté, non, c'est suffisant. Ah, je suis désolé, Ming. Bon bah, vas-y. Il a laissé ta place un match. Il aurait pu caster le un 7 de l'histoire. Le 7 de ce round 7. Un seul game. Et c'est un péon qui est pas sur l'affiche qui le prend. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? On dit quoi? En fait, on dit quoi dans ce genre de choses? Non, parce que vous voyez, moi je connais en mode les casters, ils disent des choses incroyables. Mais là maintenant, c'est moi qui dois le dire parce qu'il y a eu un truc super stylé qui s'est passé. Quel match! Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que c'est un plaisir de casser ce match avec toi! Ah là 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 là! Que dégage! Putain, dernière fois que tu me demandes ça, mais c'est pas vrai! Oh là! Mais faut dire quoi dans ce genre de situation? À la fraude, genre. Non, mec. Non, mais dans genre en mode t'as casté un truc incroyable, faut dire quoi, genre. Je te parle plus non, jamais. Je suis désolé. Jamais je non, te non, parle. Non, je suis désolé. C'est pas mais il y a un moment. C'est pas vrai. On a vécu prends quelque chose là. Aussi, là. On a vécu quelque chose là. Waouh.
Mescol, magnifique, c'était un BO3 et Gluto ne fait pas top 8. Il fait pas 9ème. Mais j'ai jamais vu ça. On est d'accord, il fait pas 9ème, hein. Et j'ai raté ça. Bah oui, t'as filé ta place. Il est 10. Non. Il est 17ème. Gluto 17ème. C'est le plus mauvais résultat qu'il ait jamais fait, je crois. Sur Ultimate, c'est possible. Je crois, hein. Non, je suis sous le choc, les gars. Je suis vraiment sous le choc. Faut que je me remette. Attendez, parce que. 17ème. Ça veut dire que. Il y a moyen qu'il fasse moins bien que Léon sur son tournoi à lui là-bas. Non, il se passe un truc dans la commune. Hein.